d'accord. On visite 5 villes. Peut-être que je me répète, je suis désolée. J'ai une passion de mug. Oh, ça, c'est là, t'es trop beau. Oh là là. Ah oh, putain, je vais encore avoir un putain de haul. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 mars. Il est 13h, je crois. Environ 13h. Il y a mon chacha qui vient de se réveiller. Oh, j'espère que vous, ça va. Moi, je suis malade. J'ai mon rouleau de PQ à côté de ma personne. Il ne me quitte plus. Je n'en peux plus. J'ai le nez en fire. Du coup, je mets le baume, vous savez, pour les lèvres là que je mets sur le nez. Tu vois, j'ai chopé la maladie le mardi. J'ai senti que la gorge, elle était en mode Après, j'ai eu envie de vomir. Et après, j'ai commencé à tousser, à moucher. Je me suis dit, vas-y, j'ai une angine. Enfin, j'ai toujours la même maladie, moi, c'est toujours ça. Je commence à avoir une angine, et ensuite, j'ai envie de vomir. Et ensuite, j'ai l'espèce de grippe. Voilà. Donc, c'est vraiment génial. Là, en soi, ça va mieux au niveau des vomissements. Enfin, j'ai plus envie de vomir. Mais maintenant, je tousse et je me mouche. J'avais de la fièvre aussi, il y a 2-3 jours. Enfin, bref. J'étais dans un état lamentable, mais ma semaine était extrêmement riche. Je suis en train de vous filmer, enfin je sais pas si vous avez vu le vlog ou si je le postais après, avant, je sais pas comment je vais m'organiser. Mais en gros, je vous filme pas mal de petits moments de ma vie étudiante pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Et je sens que le montage va être une catastrophe. Donc là, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je reviens de Disney. Je suis allée à Disney, il y avait une nuit, il y avait une nocturne. Je vous l'ai montré aussi dans le vlog que je vais vous filmer là. Il y avait une nocturne jusqu'à 2h du matin, du coup je suis rentrée, il était 2h30. J'étais trempée parce qu'il pleuvait. Prince, il m'a réveillée à 7h, il m'a miaulé à la gueule, genre vous savez, il est monté sur mon dos. Du coup bah, j'étais réveillée, après il a essayé de vomir plusieurs fois, mais il n'y avait rien qui sortait. Donc c'était chiant. Je me suis réveillée, du coup j'ai tout nettoyé, l'appartement, etc. Parce qu'il essayait de vomir, mais il n'arrivait pas quoi. C'était galère, il n'y avait que du petit liquide qui sortait. Et après je retourne me coucher un petit peu, genre au moins pour dormir une heure. Il vient sur moi, il se pose vraiment tranquille ou pilou. Et là, je sens qu'il va vomir. Je sens qu'il y a un truc qui va arriver. Du coup, je le mets vite par terre. Et là, il me lâche un steak. C'était incroyable. Donc, depuis qu'il a vomi, ça va mieux. Ça y est. Il est en train de manger en plus. C'est. Vous voyez pas, ces feuilles là, c'est son herbe à chat. Après j'ai fait du montage, j'ai uploadé ma vidéo, j'ai fait ma miniature, ça m'a pris un peu de temps. Et il y a ma soeur qui m'a appelé en me disant « Hey, j'ai besoin que tu viennes garder ma fille et tout, parce que je dois aller bosser. Qu'est-ce que tu peux venir la garder samedi dimanche ?» Bon, à certains moments. Donc il y a ma soeur qui va arriver, on va aller à son labo. Elle travaille dans un labo pour le cancer du cerveau pour les enfants. Et après, elle veut qu'on fasse une petite session shopping. Donc j'ai vu à Primark qu'il y avait une collection fraises. Mais elle est sortie à Londres, mais je sais pas si elle est sortie en France. En tout cas, il y avait des belles collections fraises. J'étais très contente. Voilà pour le petit programme. Je sais pas si ça vous plaît, que ce petit vlog va vous plaire. Il fait pas très beau, l'appartement. C'est le bordel, je vais vous le montrer d'ailleurs. Bon, déjà, il y a le bol du matin. Il y a Prince. Et là, il y a les trucs que j'avais acheté et tout. Enfin, voilà, je vais vous le présenter dans une autre vidéo. Mes petites tasses du matin, encore une fois. Et Prince, ce matin, il a voulu jouer à son jouet. Et en fait, il a fait tomber le rideau. Sauf que, je sais pas si vous verrez, mais là, en fait, t'as des petites encoches. Et il y a un truc en plastique transparent. Et du coup, de l'autre côté, il y est plus. Parce qu'il doit être quelque part. Sauf que je ne le vois pas. À tout moment, il est passé en dessous et tout. Fin... Voilà. Du coup, je ne le retrouve pas. Donc, le rideau attend là, sagement. Tant que je le retrouve. Là, je suis encore en pyjama. Du coup, je vais aller m'habiller. Je vais voir ce que je vais mettre. Je sais pas quelle heure il est. 13h26. J'ai pas de nouvelles de ma soeur. Ça veut dire qu'elle est en train de lever sa fille qui était à la sieste. Là, c'est le bordel. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? Je crois qu'il pleut en plus. Donc, peut-être mettre un petit pull. Hey, j'ai un nouveau spot unboxing, pas mal. Moi, je suis un peu débordée, comme je vous disais. J'ai pas eu de week-end vraiment posé chez moi. Genre seule, posée chez moi, j'en ai pas eu. Sauf le dimanche où j'ai fait ma petite morning, une night routine, où j'étais vraiment seule et j'ai pu vraiment profiter. Mais j'ai pas fait de ménage, j'ai pas fait ce genre de choses. J'ai pas pris soin de mon appart depuis pas mal de temps, en vrai. Bon, je viens de passer un petit coup d'aspi dans l'appartement, c'était un peu le... Il y a beaucoup de poils. Donc là, il y a ma soeur qui m'a envoyé il y a 5 minutes qu'elle partait, donc je vais pas tarder parce que de ma soeur à chez moi, il y a littéralement 7 minutes en voiture. Donc écoutez, c'est parti, je vous prends avec mon téléphone, comme ça sera plus simple pour vous filmer les petites choses et puis bah, let's go hein. Et du coup, je vais prendre ça, c'est le livre qui vient de McDo. Du coup, il y a ça. Hi bitches. Oh, la mini bitches. Finding you, I have a book for you, mini bitches. Oh, that's so cute. This is a book from McDonald's. Oh. Let's go to the labo. Je pourrais m'amuser avec les petites cellules. Bah non, rajouter des trucs et des cellules. Je te jure, je vais trouver un vaccin. Hey,
T'as quatre dents qui poussent. Quatre dents en haut qui ont poussé. En haut ? Rien en bas ? Si, elle en a quatre en bas. Ah ouais, peut-être un dentier en deux mois. Elle en avait déjà quatre en bas et les quatre en haut, elles ont poussé en même temps. Donc là, on est dans la cafétéria du labo. Je suis avec, du coup, ma nièce. Elle est vraiment adorable. Elle ne dit jamais rien. C'est un jouet, on est d'accord. Hey ! Oh, les cotons, t'as souris. Mais t'aimes bien ça ? Les loustiques, je meurs. Bon, du coup, on est arrivé à Primark. On est en train de regarder la nouvelle collection. Ils ont des petits pantalons costumes roses. Ils sont trop beaux. Oh, c'est joli. Je sais pas. Bah, tu sais quoi, quand c'est en doute, y'a pas de doute. Je prends les deux. Ouais. Anna, c'est trop beau. Anna. 1,80€, eh, c'est pas cher. Oh là, je suis encore une pigeonne. 4,50€. Ça, non. Ça, on dit non. Voilà, c'est un lapin, mais on dit non. C'est trop beau. La veste là, elle est trop jolie. C'est trop beau. Il y a plein de sacs. On va essayer. En vrai, c'est mime ça. Je sais pas comment ça coûte, 10 euros. Ils ont fait une collection année 2000. Ils sont super beaux. Plein de petits shorts. Ah ouais. Pas mal. Tu sais, j'ai même plus de maillot de bain, Mimi. Il y a des petites tasses. Trop fou. Des pastèques. Tournesol. Oh mon dieu. Oh là là. Trop belle les bougies. Ah oh, putain, je vais encore avoir un putain de haul. En vrai, ils font quand même de la belle papeterie. Ben ça, je crois que j'avais pris celui-là. Il y a celui-là aussi, mais il est trop beau. Il y en a d'autres ici, c'est des, un petit peu des agendas. Enfin, ils sont très très bien. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard. Enfin, deux jours plus tard, nous sommes lundi, je rentre du travail. Je pense que vous devinez l'heure à laquelle je rentre. Oui, mon chacha. Je suis rentrée de ma session shopping avec ma sœur. Et en fait, j'étais vraiment pas très bien. J'étais un peu malade, je vous avoue. J'étais pas super en forme. Et bah là non plus, je suis pas du tout en forme. Enfin, j'ai quitté un petit peu plus tôt mon boulot parce que vraiment, je me sentais pas bien. Migraine, je suis malade depuis une semaine. Je ne comprends pas comment c'est possible de rester encore malade après une semaine. Mais là, c'est de pire en pire. Genre, ça s'aggrave de plus en plus. Je suis bouillante. J'ai une barre, une migraine. Je fais que me moucher. Enfin, au bout d'un moment, stop la maladie. Enfin, allez-vous-en, tu vois. Je vais me faire un thé, parce que là, j'en peux plus. J'ai bu 3 thés aujourd'hui au boulot. J'ai bu 75 centilitres à chaque fois. Parce que j'ai des bouteilles, mais je pense que je vais changer de bouteille. Je vais me prendre un truc comme ça. Je pense au boulot, ce sera peut-être plus simple. Parce que j'ai des thermos, et je mets ça dans le thermos, mais après, pour le nettoyer avec le thé, c'est un peu galère. Donc, on va prendre du thé, si possible, du citron, gingembre ou je sais pas quoi. Avec du miel, bien évidemment, de chez Chubb. Ça, c'était un truc d'assurance. C'est les goodies quand on était à la Braille. Donc, je suis allée à Primark et franchement, je suis très contente parce que j'ai trouvé des paires de chaussures. Moi, faut savoir que les paires de chaussures, c'est extrêmement rare que j'en trouve. Et les seules fois où j'en trouve qui sont à ma taille, c'est à Primark. Je sais pas pourquoi. Mais c'est toujours comme ça, à Primark, tout me va, enfin la plupart des chaussures me vont. Comme en fait une chaussure me va, bah moi je prends toutes les couleurs généralement. Donc là il y avait noir et blanc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Franchement je suis trop contente, en plus c'est des chaussures nu-pied, désolé pour le bruit, hein. Nu-pied à talons,
Je suis pas très nu-pied de base, j'aime pas mes pieds, je trouve pas ça beau. Je peux pas me brider pour le regard des gens. Mes pieds sont longs et plats. Et j'emmerde le monde, voilà. Et j'ai trouvé aussi de la décoration, donc j'en ai pour cher en vrai. Bon, en même temps, les chaussures, elles coûtaient 22€, j'en ai pris deux, donc c'est déjà 44€. Mais j'ai trouvé d'autres petites choses, et en gros, j'en ai eu pour 90€. Avec un sac de voyage, etc. Enfin, vraiment, je vais vous montrer pas mal de choses. Peut-être que je me répète, je suis désolée. Moi, j'utilise beaucoup les bons d'achat de chez eBay Club. C'est pas une collab, c'est pas. Voilà, c'est juste pour vous aider. Je fais vraiment tout le temps maintenant. Dès que je vais dans un magasin, je regarde sur l'application eBay Club, le site de cashback. Là, je vous avais parlé la dernière fois. Je regarde s'il y a des bons d'achat en magasin. Et s'il y a un bon d'achat, bah, je le prends. Et là, typiquement, j'ai eu 5€ dans ma cagnotte. Donc, c'est énorme. Enfin, j'ai pris 100€ en carte cadeau. Et j'ai payé avec ma carte cadeau. Et voilà. Ça m'a fait 5€ d'économie. C'est quand même assez énorme et je vous jure, toutes les semaines, quand vous allez à Carrefour, même Leclerc, il y a aussi... Enfin, vous dépensez un max de thunes en bouffe, enfin, je sais pas, genre... Moi, c'est minimum 100€ par mois pour la bouffe. Bah, avec eBay Club, je crois que vous avez 5%, donc 5€ à chaque fois. Donc, toutes les fois où vous faites vos courses, vous pouvez avoir des bons d'achat très facilement et des cashbacks, en fait. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. Mon lien est en barre d'information, je crois. Ou mon code de parrainage c'est Elisa ou Pandapi quelque chose. Et si je peux vous aider à faire des économies, bah tant mieux. Parce que c'est vrai que ma soeur et moi on adore faire du shopping, ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas fait du shopping. Mais même juste se balader sans forcément acheter quelque chose, hein, mais juste se balader ensemble, voir des petits trucs à la con, genre ça a vraiment partagé un moment que j'aime bien. Genre moi vraiment le shopping c'est un truc qui m'apaise, qui me détend. C'est comme la peinture, c'est vraiment pareil. Donc écoutez, on va boire le petit thé et je vais vous montrer mes achats. Ça va mon cœur. Ah, et ce soir c'est Mario au premier regard, je suis trop contente. J'ai acheté du coup tout ça d'affaires, donc j'ai pris un sac comme vous pouvez le voir de voyage. Je sais pas trop par où commencer. Ah oui, je suis désolée mais j'ai trouvé... Qu'était pas ça mes principados? Prince râle un petit peu en ce moment. Du coup j'ai acheté cette tasse pastèque. Non mais regardez-moi ce truc, enfin, c'est incroyable. Enfin je suis désolée mais c'est magnifique, c'est 3,50€ et je savais pas qu'il faisait ça. Mais Prince, tu vas aller dehors? Mais c'est pas possible d'aller dehors, il fait encore un peu froid mon cœur, tu vas avoir un rhume et tout. Comme maman. Du coup, une tasse pastèque incroyable. Franchement, je suis fan. Enfin, il y avait la fraise la dernière fois, là il y a la pastèque. Et c'est pas fini. Une tasse tournesol, je pense. C'est trop beau. Enfin, la hanse, elle est incroyable. J'aurais dû faire monter là-dedans. En plus, elle est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Bon, la tasse, elle est hyper grande. Donc 3,50€ aussi, pareil. Ouais, trop belle. Franchement, des tasses incroyables. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. Ensuite, je me suis pris une bougie. Alors ça, je l'ai vu passer partout et j'avais trop envie de l'acheter. C'est la bougie, vous savez, disco. Oh là là, vraiment incroyable. Enfin, je vais la faire fondre, je vais faire un vide-poche, je vais faire une plante après. Enfin, j'en sais rien. Mais l'odeur, elle est pas incroyable. Hein. Je vous avoue, c'est mimosa. En plus, je sens strictement rien. J'aimais beaucoup ça, franchement. C'était par contre assez cher, 8€. J'en ai acheté une autre en plus. Hein. J'ai acheté un bougeoir du coup. Disco, c'est 3,50€. Trop joli. Ensuite, je me suis acheté du coup les chaussures. Elles sont très confortables. Je pensais pas, je pensais qu'elles seraient un peu larges et tout. Mais pour les gens qui ont les pieds fins, n'hésitez pas. Donc j'ai pris ces chaussures là. Elles sont vraiment assez sympathiques. Elles sont pas trop hautes. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'était du coup 22€. J'ai pris en taille 39. Et enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ça fait vraiment, ça souligne un peu le pied plat et tout. Et le pied long. Mais bon, moi j'aime beaucoup pour mettre des pantalons. Prince. Tu sais que tu es en train de faire une connerie là actuellement. Mais qui t'es pas ça mes principés, tu me regardes avec tes grands yeux bleus comme ça là. Attendez, je vous montre parce que vous êtes là vraiment stop. T'as quelque chose à dire mon chat? Donc du coup j'ai pris ça et franchement style un peu bois et tout avec des pantalons longs, vous savez comme j'aime. Enfin voilà, j'ai pris ça, c'est trop joli, je suis fan. Et comme j'étais fan, eh bien je les ai prises aussi en noir. Voilà, j'ai pas vraiment de nu-pieds à talons. J'en ai très peu, j'en ai même pas. Enfin, j'en ai que pour danser, par exemple, quand je vais en soirée. Mais j'ai pas vraiment de nu-pieds, voilà, comme ça, un peu printanier, estivaux. Et ça, en plus, je pense que je peux le mettre avec mes pantalons de costume. Quand il va faire chaud, prince. Donc voilà, j'ai pris ça, ça va me servir pour l'été, pour le boulot, donc je suis ravie. Ensuite, j'ai pris un pyjama pour mon copain quand il vient à la maison. Donc, ça m'a coûté 12€. Donc j'ai pris un pyjama vraiment basique qui est très beau je trouve et c'est avec un short. Donc il y avait plusieurs couleurs et bah, le bleu on sait, voilà, je pense que ça lui ira. La matière elle est vraiment top. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai pris un maillot de bain parce que moi j'ai plus de maillot de bain.
J'ai que des mindboards, une pièce. J'ai pas de deux pièces. Enfin, j'en ai que un seul ou deux de deux pièces. Mais c'est tout le temps les mêmes. Genre, je pense que sur Instagram, vous pouvez voir les photos que j'ai en maillot de bain. C'est tout le temps le même maillot de bain. Donc, je me suis dit, vas-y, Lisa, faut que tu rachètes un peu de maillot de bain. Et là, j'ai vu les prix. Je me suis dit, mais c'est aberrant. Enfin, c'est choquant. C'est 3€ la culotte. Vous avez pris ça. Et 3€ le haut. Donc, j'en ai vraiment profité. Vous voyez strictement rien. Mais voilà, c'est vraiment un truc basico-basique. Il n'y a pas trop de maintien pour les gens qui ont une forte poitrine. Enfin, pour moi, c'est très bien. Donc voilà, j'ai pris ça 6€ en tout. Franchement, c'est donné. Il me fallait un sac de voyage pour partir en Italie. En fait, j'en ai, mais ils ne sont pas conformes aux normes de bagages qu'on peut mettre au pied. Du coup, je suis tombée sur celui-là. Alors, franchement, par pur hasard. Donc déjà, il est très léger, ça c'est bien. Et il est molletonné aussi, donc trop cool aussi pour protéger un peu les affaires. Donc il y a une petite poche ici sur le devant. L'intérieur est vraiment tout molletonné, donc ça c'est trop cool. Et du coup, il se plie sur les côtés pour être dans les standards. Ou sinon, il se déclipse ici. Et ça fait un vrai sac de voyage un peu plus grand quoi. Je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, c'est génial. Ça peut le faire pour l'Italie parce que je vais partir une semaine en Italie en road trip. Et j'avais mon sac à dos, mais je me dis, je vais pas avoir assez de place et je vais ramener des souvenirs. Vous me connaissez, j'ai une passion de mug. Tout moment, je prends un mug par ville. On visite 5 villes. Ça va pas passer. Enfin, tous les goodies, les machins. Enfin, vous me connaissez un minimum. Il fallait un sac quand même un peu grand pour que je puisse prendre des affaires. Donc, au lieu de 19€, c'était à 10€. Donc j'en ai profité. Avec ma soeur, c'était super sympa parce que il y avait sa fille du coup et je suis tombée sur des lunettes fraises. Je sais pas vous montrer la photo, mais en gros, j'ai pris en photo avec ces lunettes fraises. Elle bougeait plus, elle était comme ça, elle bougeait vraiment plus, c'était extrêmement drôle. Et après, toutes les conneries que je trouvais, genre des bobs fraises, des leggings fraises, etc., je lui faisais tout essayer. Ma soeur, elle était au bout de sa vie, elle me faisait ça, arrête et tout, et je continuais. Et je mettais dans la poussette là tous les goodies que je trouvais et tout. Pétait un câble, c'était extrêmement drôle. Je vais vous reprendre cette vidéo pour clôturer. Déjà et aussi pour vous montrer les photos que j'ai reçues de la part de Lala Lab. Donc ils m'ont gentiment offert ces 25 photos. J'ai l'habitude de commander sur Lala Lab quand je veux faire mes albums photos, vous savez. Du coup là j'ai imprimé toutes les photos en fait d'Amsterdam. Donc je vais vous montrer, j'ai pris en mat. Ce format là est assez rare, ce que j'ai vu il n'y a que sur Lala Lab. En fait c'est un format vraiment parfait pour les albums photos que vous voulez faire à la main. D'habitude c'est que du 10x15, moi je n'aime pas 10x15, c'est trop grand. Je veux ce format là, et du coup ils l'ont sur leur site, donc c'est trop bien. Donc je vais vous montrer un petit peu les photos, j'ai pris en mat avec ce monsieur, cet artiste que j'ai trouvé magnifique. Les photos sont vraiment d'une bonne qualité, enfin moi je vous conseille. Et j'ai tellement aimé la photo que bah du coup je l'ai prise en deux fois, je suis vraiment une grosse bouffonne. En la maison d'Anne Frank, franchement je suis vraiment une débile. Donc voilà, il y a aussi avec mon copain juste là. Enfin vraiment, il y a pas mal de photos d'Amsterdam, je suis vraiment ravie. Donc je vous conseille vivement de prendre directement les photos sur les sites comme ça, là, parce que les formats en tout cas pour moi ils me conviennent parfaitement. Et là franchement je suis très contente des photos, elles sont vraiment magnifiques. Donc ça ira directement dans mon album. C'est ça en fait les albums, et après bah, je le fais moi-même, je colle moi-même et je mets des petites remarques, des tickets de caisse, etc. Et je fais des tickets aussi de musée. Donc je mets tout là-dedans, donc voilà, trop contente, je vais pouvoir faire ça incessamment sous peu. Donc merci à la Lab de m'avoir envoyé des photos, toujours ravie de la qualité. Et vous avez toujours mon code promo, c'est en marqué en barre d'infos, n'hésitez pas à les regarder. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est très très bien, je suis très contente, merci beaucoup. Je suis passée à Action et aussi Primark. Alors premièrement à Action, j'ai acheté du coup les fameux bougeoirs qu'on a vu partout. Sur les réseaux, voilà, les bougeoirs fraises, citron et pastèque. Donc pour mettre un chauffe-plat ou alors une chandelle, tout ça je vous l'ai montré sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez voir des hauls un peu plus souvent de décoration. Je vous montre en avant-première tous mes achats en fait que je fais dans les magasins ou dans les fripes ou n'importe où en fait. J'essaie de vous montrer tout ce que je trouve. C'est moins de 2€, j'adore, je suis fan vraiment, ça va être très très joli en décoration à la maison. J'ai acheté ça, c'est une fraise avec une fausse plante à Primark à 2,50€. Pour mettre au-dessus de mon meuble de salle de bain. Ensuite à Action j'ai acheté des rasoirs, rien d'intéressant mais voilà, j'avais plus de rasoirs. J'ai racheté aussi une boule à thé comme ceci, voilà, c'était à moins d'1€. J'ai racheté aussi des pansements à Action. J'ai acheté aussi une bougie en mémoire à Birdie parce que Birdie est décédé le 13 mai. Le vendredi 13 mai, il y a 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans. Je sais pas quand est-ce que vous aurez vu la vidéo, mais en tout cas, le 13 mai, j'aurais mis cette petite bougie dehors, dans sa mémoire. Une autre bougie à Primark, c'est une bougie pastèque.
Incroyable, je suis désolée, mais c'est magnifique. Une petite assiette fraise. Et ensuite, encore à Primark, je me suis acheté un maillot de bain. Ça m'en fera du coup 3 de maillots de bain en tout pour cet été. Je pense que ça suffira. Donc le bas était à 5€. Comme ceci, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut ajuster sur les côtés. La culotte est vraiment bien. Enfin, franchement, très joli. 5€ du coup le bas. Et 3€ le haut. Le orange que j'avais pris la dernière fois. Il n'y a aucun maintien. Donc au niveau des seins, si vous avez des gros seins, je ne vous conseille pas ce genre de choses. De toute façon, je pense que vous le savez. Mais il n'y a pas grand maintien, j'ai pas beaucoup de seins, donc moi ça me va. Mais si vous avez une plus forte poitrine, je ne sais pas si ça vous ira ça. Franchement, je ne sais pas. Très joli, vraiment, le vert, je le trouve magnifique. Donc je pense que ça peut être vraiment très très bien. À Action, pardon, j'ai pris ce carnet là. J'avais besoin d'un carnet pour le boulot, comme si on n'avait pas assez. Carnet avec un truc pour mettre un stylo. Et je le trouvais quand même hyper mignon, enfin, je trouve ça trop choupi. L'intérieur est comme ceci. J'ai racheté des culottes à Primark, elles sont vraiment bien. C'est des culottes vraiment basiques, noires. Voilà, taille M, parce que les tailles S sont beaucoup trop petites maintenant pour moi. Et j'ai acheté ce pyjama, alors je le trouvais très mignon. Donc un pyjama avec des palmiers. Et j'adore en fait les détails sur le bas du short. Donc ça c'était 5€ je crois. Et ça m'a l'air très petit, mais c'est assez extensible. Mon taille S, comme ceci. J'adorais en fait les détails, les couleurs et tout, je trouvais ça assez mignon. Donc voilà, il faudra que je fasse un gros tri dans mes pyjamas parce que vraiment j'en ai beaucoup trop et que je mets pas. Donc voilà pour Primark. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.